Ce nouvel épisode de Mama Boulette. Si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? Bon, on va préparer du riz cantonné au poulet. Pour ce faire, vous avez besoin de quoi? Du riz de la veille, il y en a à peu près 300 grammes. Une escalope de poulet coupée en petits dés. Une carotte coupée également en petits dés. Des petits pois décongelés. Deux œufs, 3 ciboulins, 6-7 gousses d'ail. Du sel et du poivre. On allume la plaque. Petit filet d'huile. L'huile est chaude. On rajoute les dés de poulet. On va le faire saisir 2 minutes. On poivre et on sale. C'est optionnel, vous pouvez rajouter éventuellement une petite pointe de sauce soja sucrée pour colorer et pour parfumer. Ça fait 2 minutes. On met de côté le poulet, on casse les œufs, on va faire une omelette. Dans les sucres, on remet un petit peu d'huile. On met notre omelette, ça va être rapide. Hein. Et on met de côté la brouillade. On a nettoyé la poêle. Petit filet d'huile, on met l'ail. On le fait saisir quelques secondes et on rajoute le riz. Remélange bien. Au bout de 15 secondes, on rajoute les petits pois, les carottes, on remélange une trentaine de secondes. Et attention à ce que ça approche pas trop en dessous. Hein. Il est temps de rajouter le poulet. On remélange un peu. Et on termine avec l'omelette. Allez, on termine la cuisson, on fait chauffer encore 30 secondes. Si besoin, vous rajoutez un petit peu de sel. On finit en mettant un petit peu de poivre encore. On remélange, on n'a plus qu'à servir. On rajoute un petit peu de ciboule et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. On va se régaler. Allez, bon appétit.